as you will, timber. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Bonjour à tous. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo particulière parce que en fait j'ai fini d'entraîner le Sadhana que j'ai acheté il y a quelques temps et du coup je n'ai plus vraiment grand chose à faire sur le jeu et j'avais envie de dépenser mes Star Coins. Écoutez, donc du coup je vais refaire un achat tiré au sort, je sais pas comment on peut dire, que j'avais déjà fait pour ce petit loulou juste là-bas, mais malheureusement ça a bugué donc je n'ai pas pu la poster, enfin bref. Et j'ai envie de le refaire, voilà, j'aime bien piocher parce que je sais jamais vraiment lequel je vais prendre de cheval. Donc du coup j'ai fait trois catégories de papier. J'ai fait une catégorie avec les nouveaux chevaux, une catégorie avec les vieux chevaux, enfin pas vraiment les vieux, j'ai mis quelques chevaux, je vous dirai plus précisément lesquels. Et les chevaux de l'application. Alors, dans les chevaux de l'application, j'ai mis le Lusitanien Crémello et le Curly Noir. Dans les vieux chevaux, on va dire, j'ai mis un Andalou, le Lusitanien Perle, le Curly Silver et le Chingochig Rouen, que je veux, voilà. Et dans les nouveaux, j'ai mis donc... j'ai mis l'Apalooza, l'Islandais, la Flinger, le Pony Welsh, le Passofino et le Shire. Voilà, donc j'en ai mis pas mal. Et on verra du coup lequel je vais acheter. Donc voilà, j'ai la petite boîte avec dedans les petites catégories. Je suis désolée si ma tête elle est horrible, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, je vais piocher la catégorie. Je stresse un peu pour tout vous dire. Hop, j'ai pioché un papier, j'ai très peur. C'est dans les vieux dada, entre parenthèses. Enfin, j'ai marqué dada, mais genre, je sais pas si vous allez voir. J'ai pioché le Lusitanien Perle, donc je suis très contente. Enfin, très contente, je suis contente. J'ai une idée. Donc là, ça se joue entre... Ok, j'ai une idée. Dans les vieux chevaux, j'avais mis le Chingochig, l'Andalou, le Curly Silver... Et le... Je crois que c'est tout, hein. Ok, donc dans cela, j'ai pioché le Chingochig. Donc, voilà. Et dans les chevaux de l'application, j'ai pioché le Lusitanien. Donc, je vais voir s'il est en réduction. Et après, je ferai peut-être un tirage au sort entre le Lusitanien Perle, le Lusitanien et le Chingochig. Voilà. Non, c'était jusqu'au 3 août, mais je suis totalement débile. Bon. Bah écoutez, est-ce que je l'achète quand même Parce qu'en fait, je voulais ce Lusitanien avec cette coupe. Depuis un bon moment. Ah, mais il coûte cher, hein. Je sais pas si je le fais. Je peux, hein, mais je sais pas. J'ai une idée, je pense que je vais repiocher entre les trois. Donc on va aller à la ferme Sudoven. Je vais me ruiner, vous savez. Ouais. Pourquoi ils sont pas là, les Chingochig? Ils sont passés où? Ah oui, ils sont là-bas, c'est vrai. Oh, j'ai eu peur. Alors, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Il est où, mon bébé? Oh, il est là-bas. Voir ce qu'il fait à l'arrêt, donc d'ailleurs je lui fais une petite tenue bon, sympathique, voilà. Après c'est comme le poney, genre avec quoi, mais juste, enfin c'est pas tout à fait pareil, mais voilà. Il mâche un petit peu, il tourne la tête, il regarde un peu de gauche à droite, il bouge pas mal, bah en fait comme le poney genre avec quoi, je crois. Je crois. Hein. Donc ensuite on va regarder les allures, donc le pas. Bah écoutez, toujours aussi sympathique. J'aime beaucoup. Je trouve limite ça va mieux à ce poney qu'au poney genre quoi. Je sais pas trop. Le trot. Je trouve par contre qu'il va peut-être plus sur le poney genre quoi. Parce que le poney genre quoi, il est un peu plus bouboule. Enfin, je sais pas comment dire.
Mais sinon, c'est très chouette quand même, ça lui va bien. Le petit galop. Très sympathique, rien à redire. Voilà, je fais un petit cercle, ne me demande pas pourquoi. Hein. J'ai envie. Voilà, le moyen galop. Très sympathique aussi, franchement, j'aime beaucoup. Parce que comme vous savez que je me répète pas mal, le moyen galop ou le galop, comme vous, je sais pas comment vous appelez ça, c'est une des allures au général que j'aime le moins. Enfin, que j'apprécie, genre, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'aime bien, mais je sais pas comment m'expliquer. Le grand galop, bah pareil, hein, nickel, franchement rien à dire. Je vois pas trop de saccades. L'arrêt d'urgence, ça pour le coup, c'est un vrai arrêt d'urgence parce que ceux que j'ai vu récemment, c'était pas trop ça, donc j'aime bien. Le reculer, simple, rapide et efficace, c'est pas mal. Ensuite, quand il tourne. Pareil, je vois pas de saccade. Le cabré. Très bien aussi. Nickel. On va refaire une dernière fois. Ok, on va faire les sauts aux différentes. Aux différentes allures. Est-ce qu'il fait la. Bonjour à tous. Donc alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo achat d'un Quarter Horse ancien, un Quarter Horse ancienne génération. Désolée si je la vois cassée, je suis un petit peu malade. Oui, on est en août et je suis malade, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, j'ai fini l'entraînement de Foxfire. Je sais pas si la vidéo sortira, mais si jamais c'est le Shin Goichi. Bon, je crois, je suis pas sûre, mais si jamais je montrerai peut-être une photo. Donc voilà, je suis accompagnée de mon ami. Je vais prendre le noir qui est juste ici. Donc voilà, il est très beau. On va, enfin, trop beau, oui. Je le voulais depuis un petit moment, donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc le voici. Il a des allures un peu. Enfin, pas spéciales, mais voilà. Donc voilà, il a les yeux marrons, je crois qu'il a une petite liste, oui, enfin une petite, non pas une liste, une espèce d'étoile, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, bon, il est vachement cubique, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, on va le prendre parce que, bah, ils partent, la semaine prochaine, mercredi. Et, bah, c'est le seul que je voulais d'Équateur, donc on va le prendre, c'est parti. Donc, je vais pas lui changer, sa crinière, enfin je pense pas. Alors je veux dire que c'est un senior et que c'est. Oh, J'hésite entre plusieurs trucs. Attendez, il faut que j'aille voir. Parce que en fait, je voulais l'appeler Batman. Je sais pas pourquoi, mais je voulais l'appeler Batman. Mais en fait, il y a. Non, au pire, je donnerai ce nom à un autre cheval ou un truc comme ça. Je vais l'appeler Batman, mais en fait, c'est parce qu'au début, j'avais pensé à l'appeler Black Beauty. Du coup, voilà. Bon, alors, du coup, il n'y a pas Black Beauty, du coup je vais l'appeler Batman comme mon tout premier choix, voilà, donc c'est parti. Batman, Senior Ongre, est-ce que, oui, 3, 2, 1, acheter, oui. Vous savez que je fais des folies. Oh, il est trop chaud. Je fais des folies, hein. Bon, on va l'envoyer à l'écurie. Iiii, trop content, il est trop beau. Ah, rip Mr. Coins. Bon, du coup, je vais aller à l'écurie, lui faire une petite tenue et tout. Et voilà. Ça y est, j'y suis. Donc, je vais enlever les équipements de mon petit cheval. Mon petit Darkrai. Hop. Et je vais créer une petite tenue pour Mister après. Alors il est où? Oh,
Je vais voir. Il est... Oh, il est là. Mon chacha. Pourquoi j'ai dit mon chacha? Je suis tarée. On va le mettre à la place de... Je peux pas. 2. Je sais pas. Mystique, allez. Hop. Oh, il est trop beau. Il est trop chou. Hop. Oh, regardez-moi le loulou. Oh, il est trop chou. Du coup, je vais enlever. Je vais mettre lui là-bas, même s'il est loin. Et je vais mettre... Mystique, il est où? Mystique, il est là. Là. Il est trop chou. Donc je vais faire une petite tenue et puis bah voilà. Bon, voilà la petite tenue. Donc j'ai mis aussi un vieux lapin que j'avais pris voilà pour l'occasion. Bon, le tapis il va pas trop avec, mais voilà, je suis trop contente, il est trop chou. Voilà, voilà. On l'a fait en même temps, j'adore. Ah, j'aime trop son cabré. Pouh, ça a lagué. Ah zut, je me loupe. Ah bah je sais pas sauter, c'est super. Bon bah moi je dis on va prendre la porte d'entrée. Hop là, voilà. Déjà à l'arrêt, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge la tête. Ok, je sais pas. Il bouge la queue. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bon, on va voir du coup le pas. Ok, là il secoue la tête. C'est parti, le pas. Très mignon, genre il baisse la tête et tout. C'est vraiment choupinou. J'aime beaucoup. Le trot. Trop mignon, genre ses oreilles elles bougent. C'est trop chou, il fait un peu comme un touc touc touc, genre un peu un deux, genre je sais pas trop comment dire. Un peu comme s'il levait ses pattes à chaque fois. Il faisait grave attention, c'est trop chou. Ensuite le petit galop. On dirait il se tient un peu, genre un peu en mode il va sauter et il se contracte un peu, genre je sais pas trop comment dire mais j'aime beaucoup. Ensuite le moyen galop qui perso n'est pas trop à mon goût, genre c'est pas trop mon truc hein. Le grand galop, oh j'adore comment il lance là, je kiffe, j'aime trop trop. Bon là ça bug un peu mais j'adore. Arrêt d'urgence. Ça, c'est du arrêt d'urgence, mon pote. J'aime beaucoup, beaucoup. Le reculer. Simple, pareil, mais très, très bien. Très chou, voilà. Le cabré. Que j'adore. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Quand il tourne, bah, c'est très bien. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de saccades. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les sauts, il n'y a pas d'animation spéciale, je crois. Non. Vu le prix. Alors. Oula. C'est vachement, genre, il se saute. Il y a un peu un bug quand il se replace, mais ça va. Et je crois que c'est un peu pareil pour tous. Mais ça va. Au grand galop. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Oh là, je me fail. Même pas. Ah, c'est trop bien. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a tout fait. Bon, alors, je suis très contente de cet achat. Franchement, je regrette pas. Surtout qu'ils vont partir définitivement mercredi prochain. Donc voilà, profitez-en. En fait, vous verrez ça, ils seront déjà partis, j'en suis sûre, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis très contente d'avoir acheté mon petit Batman. Je le trouve trop mignon. Franchement, il est trop chou. Il les a durs, je les aime beaucoup. À part le moyen galop. Bon, après, il est un peu cubique, mais il est très chou quand même. C'est un peu ma beauté noire, on va dire. Par rapport au film, voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.